Notre assistante va nous poser des questions et on va répondre. Et celui qui ne veut pas répondre, eh ben, il va boire. Voilà. Ok, très bien. Jingle. Salut les gars, aujourd'hui on vient pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit de tu réponds ou tu bois. Bon ben je vais vous laisser vous présenter. Coucou, moi c'est Divine Aka Diva Brunch. Diva Brunch. Salut tout le monde, moi c'est Irma, stay woke sur Instagram. Ouais, donc moi c'est celui qui a SD2 TV, aka Magastar. Magastar, mais attends, aujourd'hui c'est pas ton anniversaire là. Moi je me présente, moi c'est Nubia, Bivens hein, sur Insta. Ouais, en personne. Ok, moi c'est Dezen de l'associé en partenariat avec la CIA. Attention, c'est. Coucou, moi c'est Cindy, aka Queen 243. Donc voilà, ben je pense que là c'est parti pour la vidéo. Alors, première question, à quel âge as-tu perdu ta virginité? Bon, voilà. Moi, je vais répondre. C'est aussi pour toi, hein. Tu vas répondre. Moi, personnellement, je ne l'ai pas perdu non plus, hein, comme ma soeur, donc intact. Voilà. Pourquoi c'est silencieux? On doit répondre. Voilà, répondez. Si vous voulez pas répondre, chacun son tour. Répondez, vous vous épuisez. 15 ans. 15 ans. Bon, on a 17. Bon. Désolé, vous avez dit la vérité. 15 piges. Merci pour ta question. À partir du moment où tu bois, si tu veux pas répondre, c'est moi aussi. Bah, 15 ans. Non, un âge précis. Ça doit être 15 ans. C'est vous qui avez répondu ou pas? Non, parce que je suis toujours intacte également. Ok. Ok. Dis-moi. Bon, les mythos. Voilà, donc la personne. Tu as quel âge là aujourd'hui? Ben 23. Voilà, oh, voilà, okay. C'est bien. Si. 24 dans un an. Voilà, Prochaine question, s'il vous plaît. C'est une chose ces questions là, dis donc. Ok, prochaine question. Quel est votre plus grand fantasme? Vous allez boire. Fantasme, c'est quoi ça, fantasme? Perso, c'est la voiture et la moto, j'aime bien. Moi sur le coup j'ai pas d'idée là, en vrai de vrai c'est une question vraiment je sais pas là sur le coup Moi je vais répondre franchement, j'en ai pas parce que bon j'ai jamais expérimenté ce côté là, donc je me suis aussi jamais posé la question, donc en vrai j'en ai pas. Non, mais bon, après, si t'en as pas, c'est aussi une réponse. Oui, c'est aussi une réponse. Non, mais si elle répond pas, il va tu bois. Non, que t'as pas. Non, après, ça fait. On a le droit d'avoir un reste. Ouais, une réponse négative. Bah oui, c'est une réponse. Tu dis la vérité en fait. Voilà. Ouais, ok. Super. Moi, j'ai pas de fantasme. Ah bon? De tout de suite, à l'instant, comme ça. À part de voir Abbé Dachour. Ah ouais. C'est un fantasme. Bon, Abbé Dachour. Bon, si tu passes par là. Tu peux t'arrêter. Et tu peux aller aussi tout droit, mais. Alors, quelle a été seconde question? Attends, Cindy n'a pas répondu. Elle a répondu. Faut pas oublier. Non, t'as pas répondu. Non, j'en ai pas en plus. Après, peut-être pourquoi pas, si j'expérimente, pourquoi pas sur la plage? Non.
pas de projet à ma chatte et tout ça. Ah, c'est pas le plan et tout, hein. Mouvement. Ça va, le... Prochaine question, quel a été le rencard le plus nul que vous avez eu avec votre compagnon, votre compagne actuelle? Ou ça peut, c'est seulement actuel ou des... Même passé. Même passé. Actuel, c'est parce que comment faire, vous allez pas vous dire. Ouais, le plus nul. Moi, ouais, pour ça, je ne l'ai pas parce que là, je suis rien. Hein. Non, mais même si c'est passé, c'est pas forcément actuel. Hein. T'es célibataire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as déjà eu des rencontres qui sont mal passées, enfin, qui étaient pétées. Ça, tu peux expliquer. Non, la question, c'est actuel. Actuel, ouais. Actuel, c'est actuel. Parce que vous n'allez pas oser le dire, du coup, vous allez voir. Quitte à boire. Je suis Jocelyne à Mosquito, elle va jamais descendre. Mais on me dit la vérité. Bon, toutefois, tu veux boire pourquoi si je dis la vérité? Mais, mais maintenant, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ah, si toutes les expériences étaient carrées, c'est carré. Après, là, si on peut parler d'expériences passées, là, si je. Oui, si c'est passé, on peut parler, mais c'est actuel. Bon, alors, on ouvre la question alors. Ouais. Ouais. Ok, seconde question. Quel a été le rencard le plus nul avec votre compagne ou votre compagnon actuel? N'a pas. Voilà, maman ne sait pas, donc niette. Je vois ça. Bon, bah. Ah bon? Ah bon? Demi. Moi, je sais pas du tout. Moi, perso. Pas du tout. Bah, c'est pas. Ok, prochaine question. Quelle est la chose la plus honteuse que vous avez fait par amour? Genre, vous avez trop honte de ça. Alors, je peux même pas le dire. Moi, chez moi, c'est comment? Moi, ramener un collier de ma mère. Je marchais là-bas. J'ai acheté, j'ai ramené une meuf là-bas après. C'est cher, hein, c'est cher. J'ai coûté, j'ai payé, j'ai pris, j'ai ramené. C'est pas honteux, mais en mode, pour la meuf, elle s'est dit quoi? Il n'y a pas d'emballage, donc pour moi, c'est honteux. Il n'y a pas d'emballage, en fait. C'est l'emballage qui me pose problème. C'est pas t'as le fait quoi? Hein? J'ai acheté un colis. À 5 euros, le colis pour les mecs. Donc, j'avais pas d'emballage. À moi? Ouais. C'est aussi honteux? Bon, oui, je réfléchis. Ouais, et c'est une chose, tu vois. On dirait que t'en avais un. Ouais, non, c'est en plus comme Kenny parlait, j'ai oublié. Non, tu mens, tu mens. Ah. Non, non, la vérité, non, parce que ça, c'était pas honteux. C'est, tu vois, c'est pas honteux. Je sais que j'ai fait des trucs hontés. Donc là, j'essaie de m'en souvenir, tu vois. Bah, moi. Mais là, passe-moi parce que je peux dire. Hein. Mais c'est juste que je m'en souviens pas, non, mais là, je. Je comprends pas. Non, dire. Bon, on passe à quelqu'un d'autre, puis on va revenir à toi. J'ai rien fait d'honteux. Bon, il y a un truc quand même, t'as honte. Bon. T'as honte quand même. Ouais, même si c'est pas honte de ouf, pour toi, flemme, genre. Tu dis non, j'ai fait ça. T'es décalé quand même. J'ai jamais fait un truc comme ça. Tu t'es dit, Ah ouais, moi j'avoue. J'ai refait, non. Ah ouais? Moi, en fait, quand il y a un truc, c'est bon, je fais pas. C'est un vieux franchement, j'ai. Genre, ah non. Mais c'est un vieux bête. Non, mais je veux dire, moi en fait, c'est. Franchement, j'ai la flemme. En fait, j'avais grave. J'ai grave créé un compte fake. Pour aller, je suis partie parler au mec, je me suis fait passer pour une meuf, mais en fait c'était moi. Et il parlait aussi avec la meuf en question. Donc c'est ça, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai honte, donc bon, c'est la vie. Hein. Bon. Bon, c'est certains aléas. Ça... Mais ça va, c'est pas trop. Ça va. Non, ça mais va, moi j'ai honte. Bien. Bon, moi j'ai pas suivi. Personnellement, j'ai pas trouvé ça comme entendu, ça m'a fait plus rire pour faire chaud. Mais je vais pas les dire parce que bon, j'ai bois. Ok. Cindy? C'est pas bon. Prochaine question. Et okay. Maintenant, les Cindy. Attendez, pousse. Tu bois? Ah, tu t'en souviens? Non. Pousse. Tu t'en souviens pas? Tu t'en souviens? Ok, okay. Les prochaines questions. Et là, je pense que vous allez tous boire parce que bon, c'est un peu le but du jeu. Wow. Le prénom de la personne avec qui vous avez eu vos premiers rapports? Moi, je vais pas boire parce que j'en ai jamais eu. Donc en soi. Moi aussi. Voilà. Ah, non mais ouais. Après, non, c'est ça en fait, c'est non, cruel. Non mais en fait, c'est vos réactions qu'on me fait rire. Non, non, mais c'est vrai toutefois. Donc... Ah là là là. Je peux commencer. Qui commence les balles? Moi je peux commencer parce que vraiment, je me rappelle même plus.
Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Kenny, c'est pas longtemps. Donc Maïva, Attendez, Diva la brunch, elle n'a pas répondu là. Si, ah, j'ai dit. Ah, ah, on n'a pas entendu. Non, elle n'a pas entendu. Elle a dit A. Ah, ouais. Ok, lettre A. Lettre A. Lettre A, caca. Je pense qu'il faut couler pour ma réalité, je crois. Alors, prochaine question. Combien de petites amies ou de petites amies avec un E avez-vous eu au total jusqu'aujourd'hui, 2021? On sent compter les flirts. On compte tout. Je préfère le Mais apparemment, à 23 ans ou avant, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Bon, bah, si je compte à partir alors de la, du collège jusqu'à now, Plus les flirts. Hein. À partir du moment où vraiment tu te dis, là, je suis dans une relation. Ah, bah, alors, si c'est ça, 3. Si c'est ça, parce que des longues relations, donc 3. À qui tour? Ok, mais après, franchement, je préfère boire parce qu'à l'époque des 46 ou Anna. Je préfère vraiment boire, il y a eu trop d'éclairs. Samedi? Ouais, on va me boire. J'ai chaud. Samedi, c'est une fatigue. Elle a dit 5, 5, 5. 5, 5. Ouais. Ok. 15 par là. Yo bien, tu viens de non, attends, excuse-moi, parce que si je compte 17 ans, j'enlève quoi à 10 ans? Parce que ça fait 7 ans que j'ai commencé. Pour le téléphone, si t'as 7 ans, j'avais un petit écran mobile, t'as vu? Ça veut dire qu'à 7 ans, j'ai téléphoné les jambes en l'air pour ça. Le lit à Bobigny, je te jure. Et ouais. C'est toi que tu parles avec qui en fait? Parce qu'il y a 7 ans, t'es en CP. Non, mais vous parlez, c'est pas ta copine, vous parlez seulement. Non, mais on parlait, mais. Alors, prochaine question. Quelle est la personne de ton entourage la plus hypocrite? Laissez-moi voir, c'est une vérité. Bella. Je ne peux pas la dire, cette vérité. Je ne peux pas la dire. Ah, vous avez son prénom, tout? Je ne peux pas dire, c'est pas possible. J'assume de boire. Voilà, j'assume aussi. On a pris le dessert, c'est trop chaud. C'est trop, c'est trop chaud. Voilà, là, on va prendre les années. Même si on a dit. Non. Là, franchement. Et elle a tout bu. Parce que personne n'en a ça très hypocrite. Voilà. Prochaine question. Est-ce que le mec de votre copine vous a-t-il déjà dragué? Si oui, quel est son prénom? Oh là là. Non. Moi, ça m'est pas encore arrivé. Ouais. Ouais, non, fais. Ouais, toi, c'est l'inverse. Ouais, normal. Il était trop stylé et tout, je pouvais pas capter. T'as dragué la meuf? Normal. Oh là là. C'était pas mon gars, mais c'était mon gars. Mais la meuf, elle s'appelle comment? Non, ouais, je suis jamais sûr. Il a les prénoms. Ah, j'ai un gars, j'ai eu à voir. J'ai juste dit oui, mais j'ai dit. Il savait pas. Si, il savait. Ah, il savait. Il a un charbon. Quand tu vois la tête, elle était bazardée un peu trop dans les films. Bon, vas-y, va. Prochaine question. La régie, s'il vous plaît. Avez-vous déjà fait pipi au lit à l'âge adulte? Non. Mais non. Vous voyez, mais la catamité, va. Oh, mon Dieu. Au nom de Dieu, non. On est déjà dimanche, hein. On est dimanche. Au nom de Dieu, non. Voilà, t'as comme un doki. Là, c'est chaud. Non. Moi, je fais pas des zombies. Ouais, le mec, là. Non, là, j'adulte, hein.
Non, quand enfant jusqu'à 10, 11 ans, non, même jamais c'est la même chose. Mais il y a des gens qui font pipi au lit. Bien sûr. Mais on a moins de catégories dans les catégories des. Vous connaissez des personnes qui font. Moi je connais. Moi je connais. Moi j'ai leur prénom. Pardon. Ah oui. Oh, non, la société est mauvaise, hein. Franchement, non. Ah ouais. C'est pas possible. On peut pas dire. Ok, prochaine question. Avez-vous déjà trompé? Si oui, qui? Non. Je n'ai jamais trompé. Oui. C'est-à-dire. Oui. Il n'y a qu'une seule définition après ce verbe. Trompé au sens propre. Moi, non. Moi, oui. 1, 2, 3. Ah! Des noms. Ouais, non, il faut des noms. Non, attends. Tu as trompé Inès, Sarah. Si tu passes par là. Hein? Pas concentré. Attends. Non. Là, elle a peur. On dit sa copine. Laurine. Salut. Bah non, c'est qui encore? Courage. Si elle voit les vidéos. Tiens, vas-y, In, gratuit. Dis donc, c'est un gamin. Franchement, moi, dans mes idées à moi, vraiment, je me rappelle plus. Je vois pas. J'ai pas encore trompé, non. C'est pas bon. Ok. Les touches mortes de l'âme, vous êtes bizarres. Ok. Prochaine question, la régie, s'il vous plaît. Prochaine question, quel est votre salaire actuel? Genre, est-ce que vous. C'est quoi votre salaire? Si tu le dis. Ok. Moi, je pense que ça a été personnel. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne se dit pas. Non, ça se dit si tu peux dire. On voulait tous voir. On va tous bien. Toi, Sylvie, tu peux rester. Si tu veux rien dire, Ah non, bah c'est bien. Plus 4. Toi, Cindy. Ça veut dire quoi, plus 4 10 000 4 10. Ah d'accord. Moi, j'ai plus 10, moi. 1200, ça dépend avec les primes ou pas. Ça fait aussi 10 000. Mais bien. Quand il y a les primes. Ça fait les propositions. Et les propositions. Ah ouais. Ok. Ok, prochaine question. J'en ai dit ça. Vous avez déjà volé? Bah oui. Oui. Non. J'ai jamais volé. J'ai déjà volé, hein. Moi j'ai déjà volé, mais c'est pas volé. C'est volé. Non, mais ça reste pas. Ouais, bon, ça volé, c'est volé. Volé, c'est pas bon. Moi j'ai jamais volé. Mais c'était quand j'étais petite. Ouais, quand j'étais petite, on est dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Des babybennes, voilà des trucs comme ça. Non, moi jamais. T'as volé quoi? Des babybennes. En fait, pas volé, tu vois, c'est une petite arme. Elle a goûté, quoi. Voilà, c'est une station. Moi c'était. Franchement, j'ai honte, ça c'est bon. Je voulais des fois des pièces de 50 centimes dans le porte-monnaie de ma mère. Un jour, elle m'a cramé et depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Moi, c'est la même pour chose. Pour acheter des bonbons, franchement. Moi, franchement. Moi, franchement, j'avais volé une fois à Leclerc. Et. Pour les piles. Des piles, et j'avais volé pour vous, hein, putain. Ouais. J'avais volé à Leclerc. Je voyais ma cousine, elle volait à des CD de titres et tout. Jamais se faisait arrêter et tout. Moi, je vole des piles. Et Vigile, il vient voir à laquelle. Non, parce que j'ai fait ça, je l'ai mis dans ma chaussette au début. Après, j'ai mis dans ma poche. Je vois le vigile, il arrive à la caisse. Oh madame, sortez ce que vous avez dans les poches. J'ai dit, j'ai rien. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu sors, qu'est-ce qu'il y a dans tes poches? Je te laisse partir. Il t'a laissé ou pas? J'ai donné les piles. Donc j'ai donné les piles. Et quand j'ai donné les piles, il m'a dit, on va au poste de sécurité. Wow. Et puis attendez, l'histoire elle est marrante parce que maintenant, ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait vers l'auto-école à côté du Leclerc. Ma cousine, bah, vu que j'étais avec ma cousine. Qui vole aussi. Ma cousine, elle est partie vers chez moi. Elle a intercepté ma mère qui partait à l'auto-école. Elle est venue me chercher au commissariat. Nazwal Yugogo Moko. Je me rappellerai toute ma vie et j'ai dormi. Quand je suis rentrée, j'ai dormi toute la soirée. Je voulais même pas manger rien du tout. Mais j'ai volé pour vous, hein. Pour vos piles. C'était pour le Tetris, hein. Votre Tetris. C'est moi. Tetris.
Donc là, on arrive aux 5 dernières questions. On arrive aux 5 dernières questions. Et donc, chacun de nous, eh ben, il va se poser une question et on va devoir répondre. Si on répond pas, eh ben, on boit. Ça va être vraiment ça, quoi, en fait. Allez. Allez, c'est parti. Pose. Moi, j'ai une question pour Divon. Pourquoi on est stressé? Est-ce que t'as déjà pété devant un revenu en douce? En douce! Genre en discret! En douce, voilà, t'as déjà fait des silencieux au jeu! Des fois, c'est sympa discret! Tu sors tout seul! Mais qu'est-ce que tu veux? Ok! Parce que j'imagine pas péter ton mec! Ok, une autre question. Mais il y a un temps normal, non. Ouais. Sans faire exprès. Non, ça arrive. Non, il est humain. Bon, moi j'ai une question. Qui pose d'abord alors? Fille confiant. Comme un mannequin. Fiant comme un mannequin. C'est moi qui pose. Mais fiant comme un mannequin, c'est qui? C'est qui? Ah, oui, c'est moi alors. C'est tombé sur qui? C'est toi qui pose. Donc en fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu es toujours ou tu es amoureuse qui de Franchement, au cause de trop. Bravo. Ok. Au moins, je suis honnête. Ok. On a compris. Moi, j'ai une question. Ah, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Cindy, à quand remonte? On est censé gérer là. Ça flotte. C'est une partie que je ne fais jamais. Ça flotte. Bon, non, mais je n'ai rien pour Irma. Irma, est-ce que tu détestes? Pose une question. La réponse c'est non. Voilà. Ok. Mais c'est qui? C'est une autre question. Moi, personne n'a des questions pour moi, merci beaucoup. Ah non! Mais si! Non! T'as déjà posé toi. Pose une question et à. Non, dire. Non, je pose d'abord la question. Pose une question, trash! Combien de fois tu as avorté? Oh my god! C'est plus des blagues, mais c'est la vérité qu'on parle ici! Non, je réponds, peut-être elle l'a jamais fait. C'est comme si quand vous dites, vous posez une autre question. Kenny, donc voilà, tu veux rentrer dans la cour des grands? Tu vas rester dans la cour des grands. Je vois.
Laissez-moi tranquille, j'ai le droit. Ah ouais, j'ai le droit. Waouh. Eh, bon. Tu as répondu à notre question. Ah oui, tu as répondu. C'est bon, mais tu as répondu. J'ai répondu déjà. Voilà. Donc là, ça y est là. Bon, là, c'est la fin de la vidéo. Donc, merci de nous avoir regardé. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Et ouais, abonnez-vous. Likez, commentez et puis activez la cloche. Voilà, merci.